précédemment. J'amène la nouvelle élève. What is your name? Amy Bénin. C'est à cause d'elle que ma meilleure amie Suzanne est morte. Oui, je vais lui faire payer. Jean-Luc pète les plombs, il me fait peur. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Je suis allée à la poste. Je cherche Patrice. Patrice, ce gros faux cul qui se tape ma femme? Oui, je vais te violer. Salut. Désolée si je t'ai fait peur. Séverine? Ça va? Ah mince, j'ai oublié une cuillère. T'es sérieuse là? Oups! Putain. Mais quelle peste! Vous voulez que j'aille vous chercher quelque chose ou pas? Un café, un thé, un jus de fruits? Non, moi faut que je parte. Je dois aller voir une amie. Oula, mon fils! Non, mais c'est juste une amie, hein. Bon, salut, je vous laisse. Grave chelou, non? Bah, pourquoi? Mais parce qu'il a pas d'amis. Margot, peut-être qu'il t'en a pas parlé. Mais maman, il est pas net. Quoi, juste parce qu'il a pas voulu boire un jus d'orange avec sa sœur et sa mère, il est bizarre. Mais aussi avec ce qu'il a fait à Patrice. C'est vrai, mais... Arrête de toujours lui trouver des excuses. Écoute, Margot, ton frère est sous le choc avec ce qui s'est passé à ton père. Moi aussi, je suis sous le choc. Pourtant, je fais pas des conneries pour autant. Margot... C'est parfait, ça. J'ai un rendez-vous avec Baptiste cet après-midi à l'étang. Bah, tu dis rien? Écoute, Mathilda, ton histoire avec Baptiste, ça me regarde pas. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi.
traîne avec toi alors qu'il est en couple, franchement. Mais... Non, mais si tu veux vraiment tout savoir, j'en ai rien à foutre. Mais t'es dégueulasse de me dire ça. Ah, mais t'es là. Pourquoi tu renvoies tous mes appels? C'était important en plus. Ouh, Séverine, je te parle. Dis-le-moi direct si t'en as rien à foutre, hein. Quitte mon bureau, s'il te plaît. Ok, donc la meuf, on peut même plus lui parler. On doit travailler en équipe ici, hein. Je sais pas si ça tilte dans ton cerveau. Dégage, sors de mon bureau, s'il te plaît. Ça devient du grand n'importe quoi, cette école de merde. Ah, Jean-Luc, te voilà. J'étais sur le NT, j'ai vu que t'as pas encore rentré les appréciations pour les quatrièmes sur le logiciel. C'est tout? Parce que là, tu me fais déjà assez chier. Pardon? Ah, on dirait que baiser, ça rend sourd, hein? Mais qu'est-ce qui te prend? Je sais tout ce que tu m'as fait. Et ouais, hein. Enfin, plutôt à Claudine, hein, si tu vois ce que je veux dire. Alors là, je vois pas de quoi tu parles. Quel talent d'acteur. Fous-toi bien de ma gueule. Et ça? Ça te dit quelque chose, ça, peut-être? Bah vas-y, explique-toi, on va pas attendre le coucher du soir, hein. Bébé. Salut ma bonasse. Salut mon cœur. C'est splendide ici. Ouais, mais il y a un truc qui est encore plus beau ici. C'est toi. Toi aussi, bébé. Bon, on va se promener autour de l'étang. Allez mon cœur. Ah, Luna. Salut, Camille. Ça va? Ouais. Par contre, je veux pas trop faire la discussion parce que je dois aller courir. Ah, c'est cool, ça. Tu vas faire ça où? À l'étang. Ah, ok. Bon, je te laisse. Oui, ok. Ouais, amuse-toi bien. Allez, réponds. Vous êtes bien sur mon répondeur, laissez-moi un message, gros bisous. Putain. Mathilda, vous êtes dans la merde, rappelle-moi s'il te plaît. Putain, je savais que cette histoire menait à rien. T'as pris quoi? Du thé à la violette. Oh, t'as pris mon préféré. T'es trop chou. Merci. Et regarde ce que je t'ai cueilli, une petite rose. Oh, elle est trop belle. Bah, comme toi, hein. Je t'aime, ma rose à moi. C'est quoi ce bordel? Quelle salope. Bon, on boit le thé? Un bisou avant. Tout ce que tu voudras. C'est bon, t'es enfin là. Ouais, désolé, j'ai eu du mal à trouver l'essence. Bon, c'est pas grave.
Bon, maintenant on est équipé pour y foutre le feu. J'ai hâte.